Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. On n'est pas en live, on est en enregistrement. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous allez avoir un petit extrait d'une scène qui s'est passée hier soir où il y a eu une tentative de suicide dans le serveur Annecy Life. Je vous laisse avec l'extrait. Je suis juste désolé que le PC ait bugué à certains moments. Vous allez voir qu'il y a certains lags à certains moments. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Je vous souhaite une bonne vidéo. À très bientôt en live. Un kilomètre, mais putain. On commence la soirée. On va demander Maria sur les lieux. Ben pour Samu. On a une tentative de suicide sur le pont à côté du commissariat. J'arrive. Oh putain, il manquait que ça. Ok. Sur 100 mètres. Ici le commissaire 87 arrivé sur les lieux. Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? Monsieur? Vous m'entendez? Pourquoi vous... Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Pardon? Honneur au colonel. Comment ça? C'est comme ça que je voulais me faire pardonner. Vous voulez vous faire pardonner comme ça? Ouais. Ça sert à rien, messieurs, monsieur. Monsieur, écoutez-moi. Écoutez-moi, monsieur. Ça sert à rien. Vous n'allez pas vous faire pardonner pour ce que vous avez fait. D'accord, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur veut se suicider ce soir. Je peux approcher, monsieur. Je vais poser le gilet pare-balles. Il a pas l'air si méchant que ça. Circulation coupée. Ok, c'est bien pris, je bloque aussi de mon côté. Hop. Monsieur, est-ce que je peux m'approcher? Regardez, j'ai pas d'arme, j'ai pas de taser, j'ai plus rien sur moi. Bah regardez, j'ai plus rien autour de moi. Ouais. Reste à distance, le gène. Laisse-nous faire. Là j'ai plus qu'un pas à faire. Monsieur. Le moindre geste brusque. Continuez à discuter avec le... avec madame Roras. C'est qui ça, madame Roras? C'est moi. Ah. Y'a quoi dire de plus? Bah vous pouvez me raconter un peu ce qui vous passe par la tête? Vous pouvez parler hein, si vous voulez. Je vous écoute. C'est mon métier. Me passe par la tête. Oui. Là, le seul truc qui me passe par la tête, c'est l'envie de sauter. Non, non, faut pas sauter. Non, non. Ça sert à rien de gâcher sa vie pour ça. Hein. Si. Moi, j'en suis capable. Mais non, il faut pas. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'elle va penser votre famille? J'en ai pas. Ah. Vous avez pas d'amis? Pas dans cette ville, non. Bah, ils seraient pas contents de plus avoir de vos nouvelles si vous décidez de sauter. J'en avais, et jusqu'à ce que je me suis fait virer.
Vous avez pas des choses que vous aimez faire dans la vie? Secours à personne, c'est ça le truc que j'aime. Mais vous êtes vous avez pas de monsieur, groupe, écoutez-moi. C'est parce que vous êtes fait renvoyer des pompiers que vous pouvez plus aller nulle part, vous pouvez aller postuler au SAMU. Le SAMU recrute en ce moment. C'est pas parce que vous êtes fait renvoyer d'un endroit, c'est pas pour ça que vous pouvez pas aller chez le SAMU, chez nous ou chez la gendarmerie. Vous suicider ne servira à rien, monsieur. 39 plus de service. D'accord, monsieur. Reçu. Ça ne sert à rien de vous suicider. Si vous pouvez venir sur le pont à côté de la PN. Il y a un point où il attend. Pourquoi ? Excusez-moi. Madame le colonel, si je veux vraiment honorer ma tenue, la tenue que je porte, pour faire des bonnes choses. Hélas, j'ai fait des mauvaises. Il vous a jamais dit non plus de vous suicider, monsieur, ça sert à rien de faire ça. Monsieur, ouais. Coupez les sirènes, s'il vous plaît. Si je peux pas honorer n'importe quel pays, je reste chômeur et c'est limite si je deviens pas SDF. Ben vous savez ce que vous faites à ce moment-là. Vous vous suicidez pas et vous vous engagez auprès du SAMU. Et vous prouvez au colonel que vous avez changé. Ah, bah oui, c'est sûr, c'est lui-même pas vrai. Ça lui montrerait que vous avez changé. Et là, vous suicidez, ça lui montrera juste qu'il a eu raison de vous virer. Faire un CV, ok. Moi je dis pas besoin de CV peut-être. Vu qu'il y a la directrice qui est juste à côté de vous, vous pouvez directement y passer par elle. Qu'est-ce que t'en penses, Maria? Bah oui. Par contre, monsieur, il va falloir faire un pas en avant vers nous. Voilà, vous voyez? Restez vers nous. Au pire, vous descendez, vous en parlez calmement avec madame Roras. Bah oui, on va aller y parler. Maria! Hein, quoi? Oh, les gars, une voiture en bas, une voiture en bas, il y a le médecin qui vient de tomber en bas. Voilà, vous restez avec moi maintenant. Non. Monsieur, non. OK, on a les deux qui viennent de tomber. On a les deux qui viennent de tomber. Oh putain. Oh putain de merde. Oh ce bordel. Ah bien sûr, on n'a pas le SAMU qui est là à ce moment-là. Enfin, le SAMU il est en bas, je veux dire. Oh non! S'il te plaît. S'il te plaît, reste avec moi. Avec nous, Mario. Vous avez contacté les pompiers? Maria. Allez Maria, reste avec moi. S'il te plaît. Est-ce qu'une voiture peut venir sur moi? Le corps, je ne l'ai pas tout. Je ne l'ai pas encore trouvé. Vas-y, je t'envoie un Dom. Dom, essaie de rejoindre Le Pen. Compris. Prends ma voiture. Oh. Allez. Oh. Oh. Maria. T'as mal où? Partout. Je vais essayer d'appeler les pompiers. Peine pour sapeur-pompier, est-ce que vous me recevez? Police pour les pompiers, est-ce que vous me recevez? Putain. Marie, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Comment tu te sens?
un peu mal de partout. Dom, ouais. Va chercher l'ambulance du SAMU, il y a une entrée un peu plus loin pour y aller, pour accéder avec les voitures. Okay. Et reste avec nous. Ah monsieur. Quel con. Allez, reste avec nous, Maria. 1, 2, 3, soufflez. Serre-moi la main. Allez, Maria. 3, soufflez. Allez. Ok, on est bien parti. C'est pas le moment de partir. Monsieur, faut tenir. Qu'est-ce qu'il va dire, Jean? Il va encore m'accuser. Reste avec moi. Monsieur, j'ai combien de doigts? Allez, reste avec moi. T'inquiète pas. Il est parti chercher l'ambulance, t'inquiète pas. On le regarde votre coup. Désolé. T'inquiète. Économise tes forces, on va s'occuper de toi. Attention, est en train de se stabiliser. On va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Ne dites pas ça, monsieur, c'est la faute de personne. Allez, reste avec nous. C'était pas ton heure. Reste à la nous. Ne ferme surtout pas les yeux. Je vois rien. Comment elle va? Elle me serre la main tout doucement. Il est parti chercher l'ambulance du SAMU pour qu'on puisse la mettre sur une coquille. Faut harceler les pompiers, voir s'ils sont pas là. C'est lui qui arrive là-bas. Parfait. Allez, Maria, reste avec moi. Vous avez mal? Allez, Maria. Reste avec moi. Oui. Monsieur. Tu me sors le brancard, s'il te plaît. Je suis pas sûr ça, là. Je perds. Dès que t'arrives avec l'ambulance, tu me sors le brancard qu'il y a dans, par derrière. Reste avec nous, monsieur, reste avec nous. Allez, reste avec nous, Maria. Allez, monsieur. Je vais compter 1, 2, 3. On est une énorme. Il arrive avec l'ambulance, t'inquiète pas. 1, 2, 3. Allez, encore. 1, 2. 3. 1, 2, 3. Allez, monsieur. L'ambulance arrive. 1. Éteins les gyros et tout. 3. Allez, reste avec nous, Maria. 1, 2, 3. Allez, on va te placer tout doucement sur le truc, t'inquiète pas. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Allez, monsieur, reste avec nous. Le souci, c'est qu'on peut même pas la mettre sur le brancard. Parce que personne peut la réa chez nous là. Putain. On arrive les gens. Essayez de contacter les pompiers à mort. Allez Maria. Tout ça pour se lui dire. Allez Maria. Putain. Ils sont en ville au moins? C'est pas du tout. Ok. Je lui fais un massage cardiaque. Non, essaie de la ramener à nous. Allez Maria, tiens bon. Allez Maria, reste avec nous.
Monsieur John? Ouais. Vous aurez pas une trousse de soins pour au moins faire les premiers soins? Je vais m'occuper. Si, dans, dans la voiture. Dans mon gilet pare-balles, il y a tout ce qu'il faut. Allez, Marion, on va te mettre sur la coquille. Tiens, tu m'aides, Tom. Tout doucement, on soulève, on la met sur la coquille. 1, 2, 3, soulevez. Ok. Allez, Marion, reste avec nous. On va tout, on va te sangler tout ça. On est là. Je cherchais le scan, voir si ces trucs sont bons. C'est que vous avez mal, monsieur. On va pouvoir regarder ses consignes de surveillance le temps que je remette tout mon équipement. Jambes. Ok. Maria? Oui. Tu nous entends? Oui. On va t'emmener en urgence au CH, d'accord? Tu la mets dans l'ambulance d'homme, on va t'ouvrir la route. Vous me mettez l'autre s'il peut marcher aussi dans, dans la voiture du CMU. En fait le problème c'est que il a plus mal à ses jambes. La tête et tout, il m'a dit que ça allait mais c'est ses jambes. Là c'est un cas de force majeure, on le lève, on le met dans l'ambulance, on va le porter. Vous montez avec l'ambulance au pied. Dom, ah, okay. Tu me suis derrière, il y a une sortie pour les véhicules. Prends le véhicule. Attends deux secondes, je vais m'arrêter. Allez, on y va, on y va, on y va. On sort de là, vite. Vas-y, on l'emmène. Allez, monsieur. Je vous tiens par le bras au cas où. On va devoir s'improviser médecin, les gars. Ah, ouais, je vois ça. Ah, ouais. On va être prêt à tout, hein.